Et je vous propose maintenant de partir direction Ciel Guillaume pour les 72 heures du livre Les 1er et 2 avril le prochain organisé par où William Fauss, vous en êtes le président, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez cet euh, événement avec euh, Calypso Augeret, bonsoir. Bonsoir. Et euh, Valentin Monnier, vous êtes euh, un des journalistes de la radio, bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, c'est un festival autour euh, du livre et puis euh, de la question radiophonique avec des conférences. Voilà, dites-nous un peu ce qui va se passer les 1 et 2 avril prochains à CIL Guillaume. Alors, pas mal de choses. Alors, déjà, pourquoi 72 heures en fait Parce qu'on dit le 1er 2 avril, mais en fait, il manque des heures. Donc, on a aussi le vendredi, mais c'est réservé en fait aux, aux collégiens, scolaires. Voilà, aux ouais. scolaires, aux primaires et donc aux écoles aux alentours. Donc, donc vous donc... lancez le chrono, ça dure bien 72 heures. Voilà, c'est ça, on y tient. quand une... même. C'est pas qu'une formule, pas... on va dire. C'est euh, pas voilà, qu'une coquetterie. Je... Ouais, <laughs> c'est ça. Euh, peut-être que calypso peut en parler donc de cette journée du vendredi C'est une journée réservée à un temps d'échange entre les auteurs et les élèves euh, c'est les auteurs qui choisissent ce qu'ils font pendant cet atelier ça dure environ deux heures et, euh, et voilà c'est un temps assez libre euh, les, les écoles sont contentes de recevoir les auteurs et les auteurs sont contents d'y aller donc. Euh... Ça permet aussi, j'imagine, de faire un peu découvrir le milieu de, de l'écriture euh, aux jeunes pour leur donner peut-être envie, le samedi et le dimanche, d'y retourner euh, avec leurs parents, leur famille, etc. Exactement. Et puis en plus, c'est un format euh, bourse au livre, donc l'idée, c'est aussi quand même vraiment euh, de pouvoir échanger et puis, comme son nom l'indique, de s'adapter un petit peu à toutes les bourses euh, et peut-être d'oser là où on n'ouvre pas euh, la porte d'une grande librairie. Oui, puis euh, la journée de vendredi plaît beaucoup, c'est que la deuxième édition hein, du Salon, mais c'est vrai que euh, les maîtresses, les maîtres nous ont bien dit qu'ils étaient très contents euh, de, de cette première édition, donc c'est vrai qu'on a renouvelé ça et... Ils sont contents de rencontrer les auteurs et de pouvoir discuter, d'échanger avec eux directement en classe. Oui. Ils sont à l'aise et puis ils peuvent préparer aussi à l'avance des questions. Bien sûr. Il a, ils il peuvent préparer l'exercice voilà. que vous faites, que nous faisons parfois un peu, un peu rapidement. Donc il y a plein d'auteurs qui, qui, qui sont invités. Et puis vous avez des conférences qui sont des conférences radiophoniques. J'imagine que vous émettez... Euh, en même temps que, que vous faites euh, l'interview de la conférence Oui, oui c'est en direct entièrement. Donc il y a des conférences, des interviews. Bon, là, c'est enregistré pour les podcasts avec tous les auteurs. Donc il y a plus de 60 auteurs qui seront présents. Donc là, ça veut dire que vous, avez, vous êtes déjà sur le, sur le terrain en train d'interviewer les auteurs pour les podcasts Alors on va les interviewer pendant euh, le salon. D'accord. Euh, parce que ça permet aussi pour eux euh, d'avoir des temps où ils peuvent justement venir dialoguer avec nous. Ouais. Donc c'est euh, l'objectif, c'est justement euh, d'aller les chercher sur leur stand et, et euh, de, de un venir... Euh, voilà, podcasts, comme ça. De faire un catalogue de podcasts avec eux parce que euh, ça leur plaît aussi, évidemment, de parler de leur, euh, de leur ouvrage. Ils n'ont pas forcément toujours euh, l'occasion de le faire pendant euh, des conférences, justement, mmh. ou pas de la même façon. Euh, et puis, c'est aussi un moment pour faire découvrir... Aux personnes qui vont nous écouter et qui viennent pas forcément sur le salon, c'est aussi le moment pour eux euh, eh bien de d'avoir le lien avec ces auteurs. auteurs. exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup de sartois dans les, dans, dans les auteurs ou est-ce que c'est ouvert... il euh... n'y a quasiment que des sartois. A... Euh... Excusez-moi, euh... je suis un peu chauvine, on est sur bien LMTV. Sûr, mais non, mais justement... euh, vous appelez les 72 heures du livre, j'y vais. Hein. <laughs> non, mais justement, c'est tout l'intérêt du salon, c'est qu'il n'y a quasiment que des auteurs. Sartois, le seul, le seul auteur pas sartois ou plus sartois, c'est Dany Leprince qui vit plus en Sarthe. Sinon, tous les autres sont des auteurs sartois qui, pour la plupart d'ailleurs, aussi euh, publient dans des éditions sartoises ou sont membres d'associations d'auteurs sartois. Et donc c'est évidemment euh, l'ADN aussi de notre radio ouais. comme de, de LMT. belle euh, mise en lumière, en fait, c'est l'occasion euh, de faire la lumière sur, euh, sur ces personnes-là. Alors, vous l'avez euh, évoqué, il y aura euh, le samedi à 17h une, à 17 heures, pardon, une euh, conférence avec Dany Le Prince qui a publié euh, Ils ont volé ma vie. Euh, et puis avant, à 16h, vous avez euh, une conférence sur Renault euh, qui est euh, évidemment très implantée sur le... le territoire avec une histoire euh, sociale et militante euh, de, de la marque euh, sur Le Mans. Euh, donc c'est des interviews qui sont très diverses. Là, vous allez vous exercer euh, à des interviews très différentes. Oui, c'est ça. Et puis, on, bah, bien sûr, on a voulu faire un petit clin d'œil aussi au, au centenaire des 24 heures du Mans. Voilà, on aura... Donc il y a aussi pour ça qu'on qu voulait faire ces, ces conférences-là euh, bon, sur des thèmes aussi, euh, aussi diverses. Alors euh, ça c'est pour le samedi après-midi. La bourse au livre, la rencontre avec les auteurs, elle est sur toute euh, la journée et, et celle du dimanche aussi. Euh, justement, toujours en parlant de notre beau territoire et de notre patrimoine, euh, le dimanche à 14h, il y aura une, une conférence autour euh, de la faïence. Euh, c'est un point aussi important de, de notre territoire sartois. Oui, la faïence de bonne étable, en l'occurrence. Mais euh, oui, c'est un thème qui, je pense, peut plaire. Euh, on essaye de, de diversifier les, les thèmes aussi pour que ça, ça puisse plaire un grand nombre de personnes. Oui, parce, parce qu'une heure après, on passe sur les essais nucléaires. Donc bon, euh, voilà, il y en a un peu pour, euh, pour tout le bah, monde. C'est assez vaste. Justement, il bah, y en a pour tout le monde. Voilà, salle. deux salles, deux ambiances pour le dimanche, enfin trois salles, trois ambiances. Euh, après, euh, fin, vous finissez avec un concert euh, à 16h. J'imagine que l'idée, voilà, c'est d'être un peu festif à la oui, fin. Oui, voilà, un petit concert guitare-voix avec. Euh, avec des gens de Sillé aussi Franget et puis Bertrand Lançon qui est chroniqueur donc euh, au journal les Alpes Mancelles et qui a écrit donc, euh, avec l'édition la plume de Léonie qui est euh, une édition Silléenne, euh, mm -hmm. qui existe depuis pas très quoi deux ans je crois et euh, ils ont déjà sorti une douzaine de livres avec euh, beaucoup d'auteurs donc il y a eu de la poésie du haïku voilà pas mal de choses et euh, c'est ce, cette association qu'on a mis en avant euh, l'an dernier. Et puis cette année, on met un peu en avant une autre association euh, qui n'a rien à voir, euh, enfin plus ou moins avec la lecture, mais c'est du stop motion en fait. Donc c'est euh, De fil en image qui est une association euh, qui euh, propose des, donc, euh, de faire des vidéos en stop motion. C'est des, des petits ateliers de 30 minutes. Oui, c'est ça. Alors c'est pour les enfants, le stop motion. Euh... C'est qu'on fait image par image ouais, euh, avancer, euh, bah, par exemple, un personnage en pâte à modeler. Euh, voilà, c'est gros mythe, c'est du stop motion ouais, pour, euh, pour prendre un exemple au grand public. Donc là, on peut carrément euh, inscrire euh, les enfants euh, à fait. des ateliers. Il y a déjà des inscriptions on peut avoir euh, jusqu'à 14 enfants par atelier, donc il y en a quatre euh, toutes les demi-heures, qu'une petite pause quand même. Ouais, ouais. Euh, donc c'est une association qui est à saint ouen le bré juste à côté de, de Ciel-Guillot. Mais et oui, c'est sympa, et puis une semaine après, ils peuvent voir. Euh, euh, sur internet, euh, le petit film le monté, voilà, les choses. Donc, euh, et puis aussi, on s'est dit que ça pouvait être sympa pour les parents pendant une demi-heure. Ils peuvent aller déambuler dé dé euh, tranquillement. Des livres et, voilà, euh, parler avec les avec auteurs, des auteurs. Voilà, Est-ce qu'il y a aussi euh, des auteurs des livres pour la jeunesse où on est exclusivement sur euh, du livre adulte Ah non, alors justement, l'intérêt aussi de, du salon, c'est qu'il y a tous les genres littéraires quasiment qui sont représentés. Donc ça va, on en a parlé de la poésie au livre historique en passant par les, les romans, il y a je crois des autobiographies ou des, bio des biographies. Donc c'est vraiment euh, il en justement en aura, il y en aura pour, pour, tout, tous, les pour tous les goûts et c'est euh, tout l'intérêt du salon, c'est aussi de montrer tout à l'heure on parlait euh, de l'actualité locale du local, c'est aussi euh, tout l'intérêt du salon de montrer que même en Sarthe et uniquement en Sarthe, il y a beaucoup de choses qui se font. Ah euh, vous, vous le montrez-vous vous, dans, dans la culture. Donc ben voilà. on en est convaincu mmh, mais en exactement. tout cas, il faut aller euh, à la rencontre et puis bah, c'est une bonne idée de sortie en famille. Vous notez, c'est donc pas ce week-end, mais le suivant, les 1 et 2 avril, salle Maurice Thermo à Sillé-le-Guillaume. Et puis, euh, si vous voulez plus d'informations, vous allez voir sur le site de Fréquencier Et puis de toute façon, une bonne idée, c'est vous écouter Fréquencier comme ça, vous serez euh, euh, informés euh, de donc. tout cela euh, en direct. Merci à tous les trois d'être venus Merci. Euh, Merci sur le plateau. Et puis nous, on parle de Jérusalem dans un instant, tout de suite dans culturel.